Le massif du Taunus, entrecoupé de forêts et de plaines, est l'un des plus anciens d'Allemagne. Sa formation est antérieure à celle des Alpes. Durant des milliers d'années, les peuples et les cultures se sont succédés dans la région, l'enrichissant chaque fois un peu plus. Les Romains ont introduit ce qui sont devenus les emblèmes culinaires de la Hesse. L'un évoque l'automne et l'enfance, l'autre est le fruit originel. La châtaigne et la pomme se déclinent à l'envi dans les spécialités gastronomiques de cette région d'Allemagne, que nous vous proposons aujourd'hui de découvrir. Nous nous rendrons dans le village de Kelkheim, traverserons Königstein, Kronberg, Oberursel, pour enfin arriver à Rodenderweil. En route pour le Taunus, dans l'ouest de l'Allemagne, pour un voyage le long de la route du cidre et des vergers de Hesse. Un après-midi ensoleillé, un verger paisible et opulent, des arbres chargés de fruits bien mûrs qui s'offrent à notre gourmandise. Est-ce le paradis? Pas tout à fait, mais presque. Nous voici à Kelkheim-Hornau. La petite entreprise familiale de Heinz Bender y cultive des pommes depuis 7 générations. Maschinen unterstützen unsere Arbeit, aber man muss natürlich mit Gefühl und Verstand bei der Sache sein. Gerade die Maschinen können auch mehr kaputt machen, deswegen geht's da eine vernünftige Abstimmung. La culture des pommiers demande une attention de tous les instants, surtout quand ils sont en pleine croissance. Pas question de laisser divaguer les jeunes pousses. Ich vergleiche das gerne immer mit meinen Kindern. Die brauchen auch einfach ihre Regeln, die sie einhalten, und die brauchen ihre Erziehung. Und genauso geht es einem Baum, der eine Kronenerziehung möchte, der auch immer wieder zurecht gestutzt werden möchte. Alle Jahr ist das mit viel, viel Handarbeit verbunden. Das heißt, Bäume müssen geschnitten und auch unten der Boden muss gepflegt, gemulcht werden. Wenn man es nicht macht, wächst der Brombeerstrauch durch den Baum durch. Das heißt, es verwildert, es wächst zu, es verbuscht und irgendwann könnten sie hier auf jeden Fall keinen Apfel mehr ernten. Le verger compte plus de 1200 pommiers. 14 variétés de pommes s'épanouissent dans ce jardin d'Éden. La pomme, un fruit défendu? Pas pour Wolfgang, le frère de Heinz, qui n'a pas son pareil pour accommoder ce fruit. Dans leur restaurant, Gasthaus zum Taunus, la pomme, fruit ancestral, se prête à toutes les fantaisies culinaires. Voici un plat qui ne manque pas de piquant. C'est un peu une abwandlung der spanischen Gazpacho, die wir auf unser hessisches Terrain umgemünzt haben, wobei die Gazpacho ja eigentlich eine kalte Suppe ist mit Gemüse und wir haben halt die Äpfel als Basis genommen und machen da eine warme Apfelsuppe davon, die allerdings etwas pikant abgeschmeckt ist. Aux pommes, Wolfgang Bender ajoute des poivrons, des concombres et une purée d'ail. On fait d'abord revenir les légumes dans du beurre, on ajoute du bouillon, on laisse mijoter, puis la soupe est mixée. Wolfgang réinvente sans cesse la cuisine traditionnelle essoise et remet au goût du jour de vieilles recettes. Le succès des frères Bender, des plats du terroir d'un grand raffinement. À la belle saison, ils organisent des dégustations à l'ombre des pommiers. Heinz marie avec bonheur les différentes variétés qui poussent dans son verger. C'est ainsi qu'il obtient un cidre aux arômes subtils, bien équilibrés. Gouléant, fruité et sympathique, comme il aime à dire. Comme la récolte est différente d'une année à l'autre, le cidre des frères Bender n'est jamais tout à fait le même. Mais au fait, où en est notre gazpacho et soie? Nous allons essayer, que tout se passe. C'est bien fait. Quand la Méditerranée s'invite dans le terroir allemand. Chez les frères Bender, on leur a compris, la pomme est reine. Soupe de pomme, glace à la pomme et même saindoux à la pomme.
Autant de variations sur un même thème qui ravissent les clients du restaurant. Le gazpacho de Wolfgang est un véritable succès. Et pour joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas un peu de lecture sur les illustres habitants de la région. Beschäftige den Gast, sonst beschäftigt er dich. Also man muss natürlich dem Gast irgendwo etwas in die Hand geben, wo er Freude hat, sich damit zu beschäftigen, bis das Essen angerichtet wird. Prost. Les frères Bender perpétuent la tradition familiale avec passion et talent. De quoi rendre fière toute la galerie des ancêtres. Leur restaurant est une des adresses les plus prisées des environs. Il est temps pour nous de reprendre notre périple à travers le Taunus. Nous retournons sur la route du Cidre vers de nouvelles découvertes. Le trajet est un véritable enchantement. Prochaine étape, Königstein. Cette petite station climatique abrite un trésor des plus savoureux. Königstein, ou plus précisément la commune de Mammolsheim qui lui est rattachée, n'est rien moins que la capitale allemande de la châtaigne. Au café-restaurant Zudenfuchsen, elle entre dans la préparation de nombreux plats. Depuis la terrasse du restaurant, la vue sur le bosquet de châtaigniers est magnifique. Par beau temps, on peut même apercevoir Francfort-sur-le-Main. Au menu du jour, velouté de châtaigne, suivi d'un ragoût de sanglier accompagné de quenelle de pommes de terre et de châtaigne confite. Pour le chef Dirk Fuchs, ce fruit d'automne aux qualités nutritives exceptionnelles est une source d'inspiration sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, il confectionne des chocolats à la châtaigne caramélisée, fourrés d'une crème à la liqueur de châtaigne. La préparation de ces petites douceurs demande un certain doigté et surtout un ingrédient des plus précieux, du temps. Die Pralinen müssen 24 Stunden ruhen, bevor man sie weiterverarbeitet. Pourquoi? Damit sich das alles richtig setzt. Un plaisir éphémère cependant. Wir verkaufen die Pralinen auf Vorbestellung, weil sie eben nur 7 Tage haltbar sind, oder auf bestimmten Anlässen wie der Kastanien, Apfelmarkt oder andere Festlichkeiten. Les chocolats sont prêts. Place à la dégustation. Darf ich euch das Neueste mal anbieten? Oh, sehr fein. Aus der Kastanie, bitteschön. Dirk Fuchs a invité quelques amis à qui il a réservé la primeur de sa nouvelle création. Entre Mammolsheim et Kronberg, s'étend la plus grande châtaigneraie du nord des Alpes. À propos, petite leçon de choses. Quelle est la différence entre la châtaigne et le marron? La châtaigne est issue du châtaignier sauvage, alors que le marron comestible provient du châtaignier qui a été greffé dans le but d'être cultivé. Gare à ne pas les confondre avec le fruit non comestible du marronnier d'Inde qui orne nos allées. Ce sont les Romains qui ont introduit les châtaigniers en Europe, des arbres qui peuvent atteindre l'âge de 200 ans. Johannes Schisser est membre de l'Association pour la préservation des châtaigniers de Mammolsheim. Ja, dieses tolle Kulturerbe ist ja nun die letzten 150 Jahre, sage ich mal, in Vergessenheit geraten. Man kann hier einfach noch sehr deutlich erkennen, dass sie als Plantage systematisch gepflanzt wurden und in den schlechten Zeiten nach den Kriegen und vor 1900 als Brot der armen Leute, der einfachen Bauern Mammolsheim eben angebaut wurden. Im unteren Bereich waren Wiesen. Ernte für die Tiere, die im Ort waren. Dann haben sie an den Steilhängen die Kastanien angebaut und auf den geraden, flachen Flächen war der Streuobst. Le marché de la pomme et de la châtaigne est l'occasion pour l'association de faire la promotion de ses richesses locales et de sensibiliser la population à la nécessité de prendre soin de ce patrimoine. Wir haben hier so ein Sortiment. Kastanien Durchschnittsgröße, die besonderen Kastanien, die haben wir natürlich auch. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, was die heimischen Kastanien angeht. Das sind Mammolsheimer Kastanien.
Die kann man durchaus mit den italienischen Maronen vergleichen. Le bois de châtaignier mérite également toutes les attentions. Il est particulièrement souple et facile à travailler et se plie à tous les caprices. Le marché de la pomme et de la châtaigne est un événement phare dans la région du Taunus. Nous retrouvons Dirk Fuchs. Ces chocolats aux châtaignes caramélisées font un malheur. Sur cette note sucrée, nous poursuivons notre route. Avec la métropole du Main en toile de fond. Quelques coups de pédale plus loin, nous arrivons à Kronberg, petite ville thermale nichée dans un écrin de verdure où nous attend une adresse des plus aristocratiques. Kronberg abrite l'imposant château de Friedrichshof. Construit entre 1889 et 1894, il s'agit de la dernière résidence de l'impératrice douairière Victoria de Prusse. À la mort de son époux, l'empereur Frédéric III, elle refuse de rester à la cour, mais ne conçoit pas non plus de retourner en Angleterre, au grand regret de son fils et empereur Guillaume II. Peu appréciée par la cour, décriée pour ses idées libérales, l'impératrice Frédéric, comme on la surnommait, était une femme sûre d'elle, éprise d'art et de littérature. Aujourd'hui, le château est devenu un hôtel de luxe, qui n'a rien perdu de son faste et de sa splendeur impériale. Dans le salon bleu où l'impératrice recevait l'aristocratie européenne, on célèbre désormais des mariages. Les pièces sont extraordinairement bien préservées. L'histoire avec un grand H est à portée de main. Une partie du mobilier et des œuvres d'art qu'abrite le château, qu'on appelle aujourd'hui Schloss Hotel Kronberg, font partie des collections de l'impératrice douairière. Oliver Preding est le chef du restaurant de l'hôtel. Pour lui, la simplicité est le maître mot en cuisine et déteste par-dessus tout les fioritures inutiles. Ses assiettes sont toutes en sobriété et raffinement. Ce lieu historique l'inspire et il tient à lui rendre hommage dans chacune de ses créations. Mais il sait également distiller avec habileté des notes plus modernes, plus exotiques, comme dans ce plat qui réunit l'Asie et la Méditerranée. Au menu du jour, sel de chevreuil en croûte d'épices confites. In dem Fall brate ich das Reh recht scharf an, das heißt, die Poren schließen, der Saft kann nicht raus. Dadurch, dass es eh wenig Wasser hat, kann es mir auch nicht austrocknen. Aber dann schiebe ich das Reh nur bei 85 Grad im Ofen. Das hat eine Garzeit von 10-12 Minuten, gar nicht länger. Dann kommt es raus, wird noch ein bisschen ruhen lassen, dass es sich ein bisschen entspannen kann, dass es ein bisschen weicher wird, das Fleisch. Und das war es dann auch schon. Und ich glaube, das Problem bei vielen, ich sage jetzt mal Haushaltsküchen, ist, dass sich die normalsterbliche Hausfrau das gar nicht so traut, zu sagen, okay, ich schiebe jetzt mein Rostbeef mal für 7-8 Stunden in meinen Küchenofen rein. Ich habe es zu Hause ausprobiert, es geht tadellos, es ist wunderbar. Die Fleischqualität ist schöner, man hat weniger Garverlust, weil dadurch, dass die Hitze nicht so intensiv ist, läuft nicht so viel Fleischsaft aus, besserer Geschmack, schönere Optik. En accompagnement, des champignons, du chou frisé à la truffe et des pommes dauphines. Le tout agrémenté de quelques copeaux de truffes. Pour Oliver, le repas doit être une véritable célébration. Ich hasse es, wenn ich mir fürs Essen keine Zeit nehmen kann. Und das passiert mir leider hier während der Arbeit viel zu häufig, dass man wirklich schnell was essen muss. Aber wenn ich dann zu Hause bin, allein Frühstück dauert bei mir 3,5 Stunden. Selbst wenn ich alleine bin, ich baue mir dann den Tisch voll mit allen möglichen Geschichten. Das wird schon zelebriert bei mir. L'enthousiasme du jeune chef a fait souffler un vent de fraîcheur au château. Les clients de l'hôtel sont conquis. Après les agapes, quoi de mieux qu'une petite promenade digestive dans le parc du château? Une partie des jardins du palais a été transformée en jardin public. Une statue de l'empereur Frédéric III y accueille le visiteur. Maintenant, un autre voyage dans le temps nous attend. Devant nous s'étend une forêt digne d'un conte de fées.
un endroit où l'homme semble pénétrer pour la première fois. Nous sommes en contrebas de l'Altkönig, un des plus hauts sommets du Taunus. C'est ici qu'a émergé la première grande métropole de la région Rhin-Main, l'une des plus importantes colonies celtes d'Europe. Le mur blanc, un talus d'éboulis composé de quartzite du Taunus, qui s'illumine au moindre rayon de soleil, est une des particularités géologiques du site. Les amoureux de la civilisation celte ne peuvent s'empêcher de ressentir une vibration particulière émanant de ces lieux. D'autres, plus pragmatiques, y verront simplement un vestige de l'âge de glace. Nous marchons en direction du mont Hohemark, le long de l'Urselbach. Ce charmant petit ruisseau nous emmène vers notre prochaine étape culinaire à travers le massif du Taunus, Oberursel, au nord-ouest de Francfort-sur-le-Main. Ici, le vin de pomme fait également partie de la tradition, tout comme ces jolies maisons à colombages. Nous ne résistons pas à un petit tour au marché, place de l'Hôtel de Ville. Le samedi, les produits régionaux sont à l'honneur. Nous avons donné rendez-vous au chef Bertel Zebarer, devant l'étal de pommes. Un Autrichien haut en couleur, récompensé à plusieurs reprises pour l'excellence de sa cuisine. Servus, hallo. Hallo. Ich brauche ein paar schöne, saftige, heimische Äpfel für einen Apfelstrudel. Super, danke. Sehr gut. Ausgezeichnet, wunderbar. Rubinette. Ja. Sie hat sogar noch einen schönen Namen. Acidulé, ferme et juteuse, voilà les trois qualités que doit réunir une pomme si elle veut avoir l'honneur de finir en strudel. Kraftwerk, c'est le nom du restaurant de Bertel Zebarer. Il s'agit de l'ancienne centrale électrique d'Oberursel, classée monument historique. Bertel Zebarer est un chef passionné et généreux, à l'image de sa déclinaison du mendiant. Im Endeffekt der Scheiterhaufen von der Grundidee ist ein Rezept, das früher schon dafür gedacht war, einfach Reste zu verwerten. Äpfel hat man gehabt, da hat man einfach ältere Semmeln genommen, die hat man aufgeschnitten, die hat man ein bisschen Milch eingelegt und mit den Äpfeln ausgebacken. So ist das ursprüngliche Rezept. Das hat sich natürlich in den Jahren ein bisschen verändert. Das heißt, man nimmt dann Brioche, man macht dann im Endeffekt eine Royale, das ist Milch mit Ei. Und das Ganze natürlich tun wir noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen Vanille da mal rein, ein bisschen ein Zimt da mal rein. Alles, was halt so jetzt im Herbst gut zum Apfel dazu passt. Und das ist jetzt unser oder mein Rezept vom Scheiterhaufen. Et comme plat principal, un rôti de bœuf à la Tegetthof. Die alte österreichische Küche, gerade aus der KOK-Zeit, wo Österreich noch so ein bisschen über die ganze Welt verteilt war, die hat ganz, ganz viele schöne, wunderbare Produkte und ganz viele schöne, alte Rezepte, die eine viel größere Vielfalt haben als nur das Wiener Schnitzel oder einen Kaiserschmand. Heute machen wir einen Rostbraten à la Tegetthoff. Das heißt, der Herr Admiral Tegetthoff war ein Offizier aus der K&K-Marine und natürlich durch das weit unterwegs. Und die klassischen Zutaten dazu sind natürlich der Rostbraten und das Fleisch, ja, also Zwischenrippenstück mit Garnelen und Oliven. Eigentlich gar nicht so typisch österreichisch, weil die Garnelen in Österreich nicht wachsen. Aber durch seine Seereisen, Admiral zur See, hat er natürlich diese wunderbaren Produkte mitgenommen und war so eins seiner Lieblingsrezepte. Und den interpretieren wir ein bisschen neu, ein bisschen leichter, ein bisschen frischer. Ich sag mal so, Kochen ist ja kein Beruf, Kochen ist eine Berufung. Man muss es einfach von alles lieben. Es ist, du kannst kreativ sein, du musst dich jeden Tag auf neue Situationen einstellen. Es ist ja ein Handwerk. Es ist ein Handwerk, an dem man jeden Tag aber auch erkennen kann, wie gut das man es macht. A-t-il parfois le mal du pays? Der Taunus ist der Steiermark ja sehr ähnlich. Ja, ein bisschen Berge, sie sind zwar nicht so hoch, aber nein, es ist wunderschön hier und mit Frankfurt direkt vor der Tür. Da kann man schon aushalten. Le talent et la virtuosité de Bertel Zebarer ne sont pas passés inaperçus dans la région. En 2010 notamment, son restaurant s'est distingué lors du Grand Prix de la gastronomie de Hesse.
il a obtenu la première place dans la catégorie cuisine noble. So, gehen wir bitte Tisch 1? Ja. So, los geht's. Röstbraten à la Tegeltau. Sehr schön, danke. Und unser Ochsenbackerl. Dankeschön. Guten Appetit. Le Kraftwerk compte de nombreux habitués qui apprécient la finesse de la cuisine de Bertel Zebarer. Le chef propose également un très grand choix de vins autrichiens, souvent mal connus, mais qui brillent par leur qualité, leur variété et leur identité unique. Le Kraftwerk, ou l'histoire d'une reconversion réussie. Et pour compléter le tableau, les clients ont également droit à une vue sur les vieilles dames de l'atelier de restauration automobile, situé juste à côté. Une atmosphère industrielle et rétro pour une cuisine moderne et raffinée. À présent, direction le nord de Bad Homburg, où nous attend une curiosité archéologique de taille. Le fort de la Saalburg est le seul fort militaire romain entièrement reconstitué au monde. Mais avant de plonger dans la vie romaine, un petit détour dans la ville thermale de Bad Homburg s'impose. Le château de Bad Homburg était la résidence du landgrave de Hesse-Homburg. La tour blanche, une des tours du donjon du XIVe siècle, est aujourd'hui l'emblème de la ville. Depuis Bad Homburg, en route pour une découverte de la vie romaine. Au fort de la Saalburg, le visiteur peut se faire une idée du quotidien des 600 soldats de l'Empire romain. C'est l'empereur Guillaume qui fut à l'initiative de sa reconstruction en 1897. À l'époque, la promiscuité était grande. 8 soldats se partageaient une chambrée qui servait aussi de cuisine. Ils se chargeaient eux-mêmes de leurs repas. Ils cuisaient leur pain et disposaient même de leur propre meule à grains. Le musée présente les découvertes archéologiques dans une mise en scène très pédagogique. Le site a été inscrit en 2005 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Hier kommen wir zu einer Vitrine, da geht es den Transport von Lebensmitteln und das Aufbewahren und das Zubereiten von Lebensmitteln. Un des points forts de la visite, le réfectoire des officiers, avec ses fresques originales, d'une beauté à couper le souffle. Qu'en est-il des fameuses orgies romaines ? À la Taberna, le restaurant du musée, nous tentons d'en savoir un peu plus. Sami Batiri prépare une fricassée de champignons à partir d'une recette traditionnelle. Die sind halt in Olivenöl gebraten. Da kommt jetzt dann die Lauchzwiebel, die frische Kräuter und zum Schluss die Honig. Du Miel avec des champignons? Es ist halt mal ganz was anderes, speziell mit vielen Kräutern, Honig, Pfeffer. La Taberna propose tous les jours cette appétissante fricassée de champignons, ainsi que d'autres délices gastronomiques du temps des Romains. So, dann haben wir die gefüllte Eier, die sind mit Pinienkerne und Liebstöckel. Dazu haben wir Römerbrot, das ist Weizenschrot mit Honig, Kreuzkümmel und Koriander. Lass es schmecken. Des œufs étaient souvent proposés en ouverture du repas. Des pommes venaient clore les réjouissances. Notre dernière étape gourmande nous attend. Non loin de Rode an der Weil, au beau milieu de la forêt, se trouve une petite ferme-auberge pleine de charme. L'Eichelbacher Hof. Une adresse authentique entre terroir et tradition. Ici, Pia Schmidt-Grossmann a réalisé son rêve. Veau, vache, cochon, couvée, c'est son idée du bonheur.
Même si le travail est parfois difficile à la ferme, elle ne renoncerait pour rien au monde à cette vie au grand air, simple et vivifiante. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen. Zwar nicht, ja doch, auch kurzfristig bis zum sechsten Lebensjahr mit Schwein bei den Oma und, bei Oma und Opa. Elle accorde une grande importance au bien-être de ses animaux, même si leur destin est de finir dans la casserole. Die haben noch ein halbes Jahr Zeit. Andere schlachten die mit 5-6 Monaten, also bei uns waren die 10 Monate auf jeden Fall gehalten. Solange wie sie eben lebt, sollen sie richtig glücklich sein. Sagen wir es mal so, sollen das eben genießen. Deswegen halten wir die auch so artgerecht. Pia se destinait pourtant au métier de clerc de notaire. Pourquoi un tel changement de cap? Das Arbeiten in der Natur und mit den Tieren, weil ich eben die Tiere liebe. Also, das ist halt wahrscheinlich vererbt. Et si en plus, elle peut partager sa passion avec les randonneurs de passage et leur faire déguster ses produits, elle est au paradis. Œufs au lard, pommes de terre sautées, rôti de bœuf et quenelle de pommes de terre faites maison, la cuisine de Pia est rustique et généreuse. Pia a choisi elle-même chaque meuble du restaurant, qu'elle a chiné dans les brocantes et les magasins d'antiquités des environs. C'est dans une atmosphère pleine de convivialité que ses clients dégustent ces délicieuses spécialités, arrosées de cidre fait maison. Serait-elle une restauratrice dans l'âme ? Also gar keine erfahrene Kneipier oder inzwischen vielleicht ein bisschen erfahren, aber nee, Kneipier ist übertrieben. Also eher Bauersfrau, die sich das, die Spaß daran hat. Et elle peut aussi compter sur le soutien de toute sa famille. Tout le monde met la main à la pâte. Le restaurant de l'Eichelbacherhof est ouvert 3 fois par semaine, le mercredi et le week-end. Qu'on se le dise. C'est ici que s'achève notre voyage. Une balade gourmande, culturelle et chargée d'histoire à travers la région du Taunus, le long de la route du cidre et des vergers de Hesse.